Il ne C'est
En fait, c'est... Non, en fait, c'est pas du tout entré dans les mœurs. C'est moi qui ai joué. Non, c'est vraiment... Non, même pas. C'est dans Actuel. Mais ça fait longtemps. Si vous avez décidé d'appeler... Là, c'est une blague de plus en d'ajouter derrière la signature de l'article et Raoul. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, c'est drôle. Je vais les appeler comme ça. Donc, c'est mon invention. Et puis, surtout, je voulais faire un petit... Et c'est vrai que après je les ai appelés comme ça, mais j'étais pas dans la profession. Sauf dans Actuel, c'est une blague dans Actuel. C'est très drôle parce que j'ai repris dedans. Pas très longtemps, je pense, quelques années en fait. Au moins après la seconde guerre mondiale, c'est sûr, avec le thème de l'Europe, et on en trouve encore dans Actuel des Américains. Moi, je pense que c'est Actuel, c'est pas nous. Et le deuxième Robert McLaren Dixon a fait aussi dans Charlie et Bill. Rebonjour tout le monde, on va reprendre pour la séance de l'après-midi, la troisième séance de la journée. Je suis très contente de vous retrouver. Je m'appelle Rachel Nadon, je suis stagiaire postdoctorale au GREL, que je travaille sous la supervision de Marc-Pierre Luneau et de Mathieu Letourneux à Paris-Nanterre. Ça me fait vraiment plaisir d'animer la
la troisième séance de la journée. Donc, on va entendre en premier Caroline Loranger, qui est stagiaire postdoctorale à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est affiliée au partenariat Littérature québécoise mobile. Ses recherches actuelles explorent 100 ans de littérature sonore, depuis les premiers sketchs et radio-romans présentés à la radio durant les décennies 20, jusqu'aux balado-diffusions diffusées sur les plateformes numériques dans les années 2000. Elle a également été chargée de cours dans les 4 universités montréalaises et à l'UQTR, en plus d'être la directrice de rédaction de la revue XYZ, la revue de la nouvelle. Donc, je suis très contente, Caroline, de t'entendre aujourd'hui. La communication que tu nous présentes s'intitule « Le phénomène de remédiation du radio-roman au format feuilleton dans la presse canadienne-française 1939-1949 ». Merci. Vous verrez que j'ai resserré un peu de la presse à un périodique et ma période aussi de temporelle, mais bon, c'est les joies d'écrire un titre au départ. Alors, presse et radio, évidemment, entretiennent un rapport étroit, particulièrement au Québec. Si les compagnies commerciales obtiennent rapidement les premières licences d'exploitation pour les stations radiophoniques de la province, on pensera évidemment à la Marconi Telegraph Company, avec sa station XYA, qui deviendra CFCF en 1922, mais aussi à la CJBC, qui irradie ses programmes depuis le toit du magasin Dupuis-Frères, qui est propriétaire de la station. Les périodiques sont loin d'être en reste. Dès 1922, le journal La Presse procède à la construction de la première station de radio francophone, la très importante CKC. L'événement suit avec la fondation de la station CFCJ la même année, puis Le Soleil fonde CKCI en 1924 et La Patrie instaure la station CHLP en 1933. En 1928, on recense 9 périodiques, en fait, qui possèdent une licence commerciale d'exploitation pour la radio. Étant propriétaire de ces stations, les journaux, évidemment, jouent un rôle de premier plan dans la promotion de ce nouveau média, notamment pour des motifs évidents de rentabilité au tout début. Dans leur page, le lectorat est invité à procéder à la fabrication artisanale de récepteurs radiophoniques, notamment grâce à la publication de plans. Il peut aussi comparer les mérites de différents appareils grâce à de nombreuses publicités qui invitent à l'achat, consulter la programmation des émissions radiophoniques et lire des chroniques relatant les meilleurs moments de radio ou encore avoir accès à des résumés de conférences données à la radio qu'ils auraient malencontreusement ratées. Les travaux de Marie-Thérèse Lefebvre sur les grilles horaires diffusées dans les périodiques, ainsi que ceux de Micheline Cambron et Marie-Lou Saint-Pierre, ont cependant montré que la complémentarité de la presse et de la radio durant la première moitié du 20e siècle déborde largement les impératifs économiques associés au fait que les stations sont la propriété de périodiques. Les médias imprimés et radiophoniques canadiens-français fonctionnent en symbiose. Le périodique est éphémère, mais tout de même plus tangible que les ondes radiophoniques, ce qui permet de donner un ancrage matériel à la radio, pour laquelle il sert aussi de dispositif de réception, et c'est là les mots de Cambron et Saint-Pierre. En retour, la radio offre de nouveaux sujets de prédilection à la presse et traduit une même vision utopiste de la circulation et de la démocratisation de l'information et des arts. Les périodiques et la radio entretiennent à ce titre un rapport d'intermédialité, c'est-à-dire où on ne considère pas les médias comme des phénomènes isolés, mais comme des processus où il y a des interactions constantes entre des concepts médiatiques, des processus qui ne doivent pas être confondus avec une simple addition, là, pour le dire avec Mouler. J'aimerais aujourd'hui explorer plus en avant ce rapport symbiotique entre presse et radio en m'intéressant donc à un périodique particulier, Radio Monde, fondé en 1939 par Marcel Provost. Principal organe de promotion des émissions radiophoniques et de l'ensemble de ses artisans, Radio Monde est certainement l'illustration la plus probante de cette relation de complémentarité entre la presse et la radio. Évidemment, l'existence même du périodique est corrélée à celle de la radio et, bon, plus tard de la télévision également. Inversement, la radio doit à Radio Monde la célébrité de la vaste majorité de ses artisans et artisanes, puisque le magazine permet l'établissement d'un premier système de végétariat au Québec, comme le mentionnait Adrien Raneau dans ses travaux. Le végétariat reposant principalement sur un régime de visibilité, qui passe notamment par la reproduction massive des visages des vedettes, comme l'a montré Nathalie Hainick, les célébrités de la radio ne pouvaient pas complètement participer à ce système de star system plutôt, sans l'apport d'un périodique imprimé.
Bon, je laisse évidemment à Adrien le soin de vous entretenir davantage sur les rapports Végétaria et Radio. Et Radio Monde. Radio, ce sera moi. Et pour mon compte, je m'attacherai à un autre phénomène particulier qui a cours dans les pages de ce périodique particulier dédié donc à l'art radiophonique et qui, à la lumière de mes recherches actuelles, pour l'instant, semble vraiment unique à la presse, dans la presse québécoise et à la presse québécoise, celui de la remédiation de radio-romans sous forme de feuilletons imprimés dans la décennie 1940. La décennie 1940 correspond vraiment à l'âge d'or des radioromans canadiens-français. Ceux-ci sont irradiés quotidiennement sur les ondes de la plupart des stations de l'époque. Surfant sur la popularité de ces radioromans, Radio Monde entreprend dès 1939 de publier des feuilletons tirés de certains des titres les plus populaires. Donc, c'est Radio Monde. Et donc, plusieurs feuilletons. Donc, pendant 7 ans, soit jusqu'en 1946, le magazine procède ainsi à la mise en roman, et le mot est important, l'expression est importante, mise en roman, parfois appelée mise en prose ou mise en texte, de ces radioromans, Rue principale d'Édouard Baudry, Vie de famille d'Henri Desglin, Ceux qu'on aime de Paul et Gabriel Langlais, Grande sœur de Louis Morisset, C'est la vie et Jeunesse dorée, tous deux de l'autrice Jean Després. Au cours de mes précédentes recherches, je m'étais attachée à un cas particulier, celui de rue principale d'Édouard Baudry, pour essayer de comprendre justement comment la remédiation avait eu lieu, et en plus, il y avait un lien à faire avec le volume imprimé. Aujourd'hui, j'ouvre la réflexion en prenant un pas de recul et en dépassant donc cette première étude de cas pour comprendre l'inscription du radioroman remédié dans la presse de manière plus large. En m'intéressant au pendant radiophonique et imprimé de ces objets, je souhaite jeter les vraiment premières bases, le mot-clé ici c'est « premières bases », d'une analyse d'intégration des œuvres radiophoniques au périodique. La remédiation m'apparaît ici exemplifier de manière exemplaire la singularité des rapports entre presse et radio qui se révèle comme étant co-construits et dont l'interdépendance est particulièrement fructueuse puisqu'elle favorise d'une part la réactualisation constante des contenus et d'autre part, l'adhésion du public entre les deux médias, aux deux médias simultanément. Bon, ça, j'y reviendrai. Lorsqu'on s'intéresse aux feuilletons publiés dans la presse plus largement au Canada français, on constate que les journaux et les revues ont toujours eu tendance à privilégier des feuilletons qui correspondaient à leur ligne éditoriale ou à leur public cible, notamment l'hebdomadaire catholique de Québec, L'Action sociale, publie un roman feuilleton en 1907 qui s'appelle « Le Centurion » d'Adolphe Routhier, dont l'action se déroule pendant les temps messianiques, donc il y a un rapport catholicisme ici. Dans le périodique estudiantin L'Escolier, précurseur du quartier latin, on présente des feuilletons inspirés de la vie étudiante comme « Sophie, mœurs universitaires » et « Le bachelier ». Il apparaît ici assez logique que Radio Monde, qui est dédié déjà aux productions radiophoniques, entreprenne la production, la publication de feuilletons aussi liés au monde de la radio. Les radioromans remédiés ne sont les seules œuvres de fiction à se retrouver dans Radio Monde. On trouve également quelques nouvelles, mais ce sont vraiment eux qui occupent le plus d'espace dans le périodique et ils profitent aussi de publicité, ce qui n'est pas le cas pour les autres types de fiction. Pendant la majeure partie de la période étudiée, 1939-1946, Radio Monde va publier habituellement deux, parfois trois feuilletons inspirés de radioromans de manière simultanée, comme le montre le schéma ici, c'est vraiment les feuilletons, ce ne sont pas les radioromans comme tels. Ce rythme de publication-là, donc segmenté et simultané, est le miroir de la pratique radiophonique elle-même, qui voit aussi ces radioromans coexister dans les mêmes grilles horaires, en même temps. Hormis « Ceux qu'on aime », qui est adapté par Françoise Loranger, qui a déjà une pratique d'écriture à la radio à l'époque, donc adapté par elle et en collaboration avec un seul des deux auteurs de la série radiophonique, Paul Langlais, et aussi « Vie de famille », qui est mis en roman par un collaborateur régulier de Radio Monde, qui s'appelle Hervé de Saint-Georges, mais qui publie sous le pseudonyme de Jean Lagrève. Ces remédiations sont signées par les mêmes auteurs que les productions radiophoniques elles-mêmes. C'est un détail important, évidemment. Il faut en comprendre que presque toutes les remédiations écrites et publiées dans le magazine Radio Monde sont alors diffusées en ondes sous forme de radioroman au même moment, ce qui implique que la rédaction du feuilleton se fait en parallèle de celle du radioroman.
Les raisons qui motivent les auteurs et les autrices de radioromans à publier des feuilletons tirés de leurs œuvres ne sont pas vraiment explicitées, ni dans le périodique comme tel, ni dans les archives que j'ai pu consulter. Mais, évidemment, elles concernent sûrement, du moins partiellement, un désir de légitimation des œuvres radiophoniques qui sont souvent, en fait, dévaluées à cause de leur support même, là, qui est moins légitime que l'imprimé à l'époque. Robert Choquette, qui est peut-être un des écrivains radiophoniques les plus célèbres, qui a aussi une pratique là, de poète dans l'imprimé, publie aussi trois romans tirés de ses radioromans, Le curé de village, La pension Velder et Élise Velder. Donc, il y a aussi une pratique là, d'utiliser le radioroman comme une source pour écrire des romans par la suite. Tandis que Henri Deglin fait paraître un nombre important de pièces de théâtre qui sont dérivées de ses œuvres radiophoniques également. La publication dans Radio Monde pourrait alors être vue comme une étape intermédiaire, hein, avant la publication en volume par des auteurs et autrices qui ont peut-être moins d'assises que Choquette et Deglin. Semblerait que ce soit bien le cas pour Édouard Baudry. Donc, ce dernier reprend en fait mot à mot le feuilleton qu'il fait publier dans Radio Monde pour le publier en volume aux éditions Bernard Valiquette en 1940. Ceci dit, l'entreprise de Baudry, qui d'ailleurs s'est soldée par un relatif échec commercial, me semble ne pas avoir été émulée par les autres écrivains et écrivaines qui proposent des feuilletons inspirés de leur œuvre radiophonique dans Radio Monde. La remédiation me paraît en fait, dans la plupart des cas, comme une entreprise de réactualisation de l'œuvre radiophonique en fonction d'un autre support, le feuilleton, qui partage des caractéristiques d'ailleurs avec la radio, hein, le côté éphémère justement, mais aussi la segmentation d'une histoire en plus petits éléments, des épisodes de 15 minutes à la radio et une à deux pages de texte là, dans Radio Monde pour le feuilleton. Donc, si la publication en feuilleton était une étape transitoire vers le volume, il serait attendu que la narration et la description, souvent réduites à peau de chagrin là, dans les radioromans, on a plutôt recours au bruitage pour évoquer le décor ou expliciter les actions et les émotions des personnages, prennent une place importante dans les remédiations. Durant la décennie 1940, la narration est encore perçue comme le lieu privilégié de l'expression d'un génie artistique chez l'écrivain et l'écrivaine. On pourrait croire donc que ceux-ci l'investiraient davantage pour faire la démonstration de leur maîtrise du style dans le feuilleton. Pourtant, si les feuilletons remédiés s'ouvrent habituellement sur une description plus conséquente des personnages et de l'action que dans les radioromans, ceux-ci demeurent principalement dialogués comme leur pendant radiophonique. L'importance des dialogues dans les feuilletons évoque, à mon sens, d'une part, soit une difficulté de s'éloigner du modèle radiophonique pour certains auteurs et autrices qui sont habitués à ce type de format. Je suis pas sûre que c'est le cas pour Baudry, notamment, qui a en tête vraiment une autre finalité pour son texte. Mais aussi, et de manière peut-être plus intéressante, un refus de le faire pour certains autres auteurs et autrices qui choisissent plutôt de souligner l'inscription les origines radiophoniques de leur texte dans le texte même. La mise en parallèle des versions radiophoniques et feuilletonesques de certaines œuvres permet alors de mettre en lumière différemment les rapports complexes de complémentarité entre presse et radio. Bon, évidemment, dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas plonger en profondeur dans la comparaison des 6 productions radiophoniques et de leur pendant feuilletonesque, mais l'exemple de « C'est la vie » de Jean Després m'apparaît particulièrement éclairant. L'épisode initial du radio-roman est diffusé en ondes le 6 janvier 1939 et il s'ouvre, bon, comme de coutume, avec la présentation d'un commanditaire, ici les fabricants de lessive luxe, puis avec la prise de parole de l'annonceur qui présente le nouveau programme, et là je vous cite le script du radio-roman, c'est votre annonceur René Fortier qui vous parle, mesdames et messieurs, et qui vous présente Tante Jeanne, charmant et nouveau personnage radiophonique dont le rôle consistera toutes les semaines à la même heure à vous conter une histoire nouvelle, captivante et marquée au signe du réalisme le plus saisissant parce que puisée aux sources mêmes de la vie. Marquer les productions là, du saut du réalisme et de la représentation fidèle de la vie, c'est une pratique courante, tant dans la littérature imprimée que radiophonique de cette époque-là. Toutefois, intéressant de noter que le personnage de Tante Jeanne, qui est explicitement présenté comme fictionnel, hein, l'annonceur dit bien qu'il s'agit d'un charmant et nouveau personnage radiophonique, est en relation directe avec l'annonceur, ce qui le tire un petit peu du côté là, de la réalité ou à tout le moins qui lui permet d'évoluer à la fine frontière entre la réalité et la fiction.
Après une évocation de la manière dont les produits luxe assurent une souplesse au tissu de la robe de Tanjane, qui pourrait être encore là compris comme une façon de rattacher le personnage à la réalité, cette réalité des ménagères d'ailleurs, qui écoutent les programmes, Tanjane affirme à René Fortier être à la recherche d'une photo, et je la cite, « d'une image qui me rafraîchirait la mémoire pour raconter mon histoire ». Il s'ensuit cet échange avec l'annonceur, donc Tanjane. « Ah, voici la photo que je cherchais, Marguerite Bailly. Mon Dieu, la seule vue de ce portrait me rappelle toute son histoire. Donnez-moi une pastille de menthe. Je raconte toujours mieux avec une pastille de menthe. Merci bien. » L'annonceur continue. « Allez-y, tante Jeanne, nous sommes tout yeux, tout oreille. » Jeanne. « Bien, quand j'ai connu Marguerite Bailly, elle avait 21 ans. Sa famille ne valait pas grand-chose et elle était un peu légère, mais jolie comme un cœur. Tenez, regardez cette photo et dites-moi si je me trompe. » L'annonceur enchérit. « Vous n'avez rien exagéré, Tanjane, elle est à croquer. » Le radio-roman insiste ici sur le sens de la vue, celui-là même qui est nié par le format radiophonique. La publication de la version feuilletonesque de C'est la vie dans Radio Monde est un peu l'occasion de rendre la vue, si je peux m'exprimer ici, aux auditeurs et aux auditrices qui pourraient avoir accès à ces portraits des interprètes qui pourraient leur permettre de voir notamment Marguerite Bailly. Mais Radio Monde ne donne pas seulement à voir le radioroman, elle le donne aussi à lire. Et la remédiation peut être l'occasion de donner des descriptions, qui pourrait être l'occasion de donner des descriptions vivaces, détaillées, en un mot, des descriptions littéraires, des personnages et des lieux qui l'habitent, n'est pas la voix qui est choisie par Jean Després au moment d'écrire les premières lignes de son feuilleton, qui est publié, lui, dans Radio Monde le 21 février 1942, et qui se lit comme suit. Donc, c'est vraiment les premières lignes du feuilleton. Grande, svelte, débordante d'énergie malgré ses 60 ans, Madame Jeanne Labrecque vient de paraître dans la salle d'attente de Radio-Canada. On adore Madame Jeanne Labrecque. Depuis le garçon d'ascenseur jusqu'au grand patron, en passant par les vedettes, les demi-vedettes et les jamais-vedettes, tout le monde l'adore. Elle est une pionnière de la radio à Montréal. Donc ici, le feuilleton met en scène encore une fois Tante Jeanne, qui est bien un personnage. Celle-ci est bon, sommairement décrite, mais surtout, elle évolue dans les studios de Radio-Canada. Plus loin, le feuilleton se transforme en véritable mise en abîme. Je cite, son programme s'intitule « C'est la vie » et René Fortier en fait l'annonce commerciale. « Bonsoir mon petit René, bonsoir Tanjane. Vous ai-je dit que tout le monde l'appelait Tanjane, cette charmante Madame Labrecque, c'est passé dans les yeux ses coutumes du milieu radiophonique. » Donc le feuilleton ici rejoue l'amorce du radio-roman. Alors que dans l'œuvre radiophonique, Tanjane était présentée comme appartenant simultanément au monde réel et fictionnel, cette fois-ci, c'est l'annonceur, René Fortier, qui est tiré de la côté du côté de la fiction et qui se voit transformé tout bonnement en personnage feuilletonesque lui-même. Intégré au centre de la page imprimée, on retrouve la photo de l'interprète de Tanjane, Jeanne Maubourg, sous-titrée tout simplement Tante Jeanne. Et là, il ne faut pas confondre, elle s'appelle, son prénom c'est Jeanne, mais c'est vraiment le personnage qui est présenté par la photo de son interprète dans le récit fictionnel. Donc, loin de faire chercher à oublier l'inscription radiophonique de son feuilleton, Jean Després le souligne plutôt à grands traits. Hein. L'œuvre imprimée est alors indissociable de l'œuvre radiophonique. Un autre feuilleton de Jean Després, Jeunesse dorée, ne s'ouvre pas non plus sur une section narrative attendue, mais plutôt sur de courtes descriptions des personnages pivots, comme l'annonce le sous-titre mis en contexte. On n'a pas accès, malheureusement, au script du premier épisode de Jeunesse dorée. Il n'est pas possible de savoir si, dans ce premier radio-roman-là, on avait seulement une petite description là, des personnages ou s'il y avait quelque chose de plus conséquent. Mais que ce soit le cas ou non, il n'en demeure pas moins que Jean Després ne cherche visiblement pas à masquer les origines radiophoniques de ses feuilletons. Au contraire, le feuilleton sert à raviver l'intérêt et l'amour des auditeurs et auditrices devenus lecteurs-lectrices pour la production radiophonique originale. Évidemment, il y aurait encore énormément de choses à dire là, sur le maillage entre la réalité et la fiction qui est performée dans les œuvres radiophoniques qui sont republiées par Radio Monde. Ce sera un de mes prochains chantiers de recherche d'ailleurs. Mais je terminerai en pointant en fait la circularité du système de remédiation des œuvres radiophoniques dans le magazine, exemplaire donc de cette symbiose là, entre presse et radio que j'évoquais au début de la communication. Radio Monde permet de fixer le radio-roman par écrit, ce qui lui assure évidemment une certaine pérennité en plus de lui donner un souffle nouveau, mais aussi de l'inscrire dans le régime de visibilité qui lui faisait défaut à cause de la nature même de la radio qui repose évidemment exclusivement sur le son et la voix.
Mais les textes, en ne cherchant pas à dissimuler leur origine radiophonique, voire en la mettant de l'avant, permettent un retour vers la radio et le radioroman. La radio fait lire le magazine invite à l'écoute de la radio, et d'un même mouvement, l'auditoire se fait lectorat, puis redevient auditoire. Plutôt que se partager les publics, radio et presse favorisent son adhésion simultanée aux deux médias. Donc, en somme, la remédiation des radioromans dans Radio Monde me semble illustrer l'inscription matérielle de la radio dans la presse, mais aussi une forme inusitée d'oralité du périodique, phénomène qui se réalise par le biais de la littérature, qui agit finalement comme une interface où se produirait donc le croisement entre ces deux médias. Merci. Merci beaucoup, Caroline, pour cette communication très intéressante. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, Elodie. Merci, Caroline. C'était vraiment intéressant. Moi, je connaissais pas du tout cette pratique-là de réécrire un radio-roman dans le cadre de l'imprimé. Mais je connais un peu la pratique du ciné-roman dans la presse française des années 20 et 30. Puis ce qu'on voit dans le cas du ciné-roman, c'est qu'il y a des cas de figure différents. Par exemple, les quotidiens qui vont publier des romans ciné en feuilleton vont vraiment s'imprimer dans un format qui ressemble au roman feuilleton ordinaire, en fait. C'est très narrativisé, puis il n'y a pas vraiment de traces du média original, du cinéma original, mais il y a aussi plus tard des fascicules qui vont être publiés de ciné-romans où là, on va intégrer dans le fascicule des images tirées des films. Donc là, ça produit un effet un peu similaire à ce que tu décris, dans le sens que dans l'imprimé, on va retrouver des traces de la production médiatique originale, puis là, le ciné-roman devient comme une intègre des images filmiques. En tout cas, je ne sais pas si tu as réfléchi à aussi, c'est ça, cette comparaison-là qu'on peut faire avec le ciné-roman. Oui, ben, pas avec le ciné-roman comme tel, parce qu'il m'apparaît qu'au Québec, le rapport passe avec la radio. Hein. Le cinéma, on le regarde plus tard. C'est la radio, notre premier amour, comme en fait le disait un peu Adrien tout à l'heure, quand on parlait du rapport à la télévision. Là. Tout passe par la radio. Et quand on s'intéresse, en fait, c'est ça, au rapport au cinéma, ben, il est un peu absent. On ne le voit pas, en fait. Il n'y a pas de remédiation, parce que je n'en ai pas trouvé là, de film ou de production autre qu'à la radio. Et ça me semble être aussi limité à Radio Monde. Je n'en ai pas trouvé ailleurs. Cela dit, il se déploie aussi dans les autres pages du quotidien. Toute une cosmogonie de vedettes qu'on met en scène dans leur rôle de personnage. Donc, on identifie vraiment les photos des vedettes avec les personnages et pas avec leur personnalité réelle. Puis ça se fait massivement là, pour toutes les productions qui sont aussi remédiées là, en radio, en feuilleton. Donc, on voit qu'il y a comme un maillage qui se fait aussi avec la manière dont on va publiciser à la fois le radio-roman et le feuilleton maison dans les pages qui passe par un effacement là, du réel et de la fiction, un brouillage complet. T'sais, on a souvent l'impression, là, par exemple, quand on entend que les gens envoyaient de la nourriture à Donalda, à l'interprète de Donalda, parce qu'elle était maltraitée dans le radio-roman puis par la suite à la télévision, que c'est parce que les gens étaient un peu naïfs ou ils ne faisaient pas la part des choses. Mais en fait, ce que moi, je sens me rendre compte, c'est que la presse joue là-dessus. La presse veut qu'on intègre complètement la voix qu'on entend avec une certaine photographie qui représente un personnage et pas l'acteur ou l'actrice. Merci. D'autres questions? Je vais peut-être aller avec une question. Je me demandais si, je ne sais pas, tu me diras, là, mais est-ce qu'il y avait peut-être une volonté d'archiver en fait, les radioromans, parce que ça, je lisais un texte, là, je pense que je t'avais peut-être parlé, un texte d'Yves Thériault qui s'appelle « La littérature pour le règne », puis Yves Thériault a beaucoup écrit pour la radio, puis il y avait tout un moment dans son texte où il dit « Finalement, il faut penser à l'archivage des radioromans parce que c'est une littérature pour le règne », puis je me disais « Est-ce que dans cette façon-là de remédier les radioromans puis de les mettre dans la presse, bien, ça permettait leur archivage, finalement ?» Ben, par la bande, oui, ouais. Clairement, mais parce que souvent, on n'a pas accès au script, on n'a pas accès encore moins aux enregistrements, mais on a ça, on a cette espèce de réécriture-là. Cela dit, je pense que
Thériault, il arrive quand même un petit peu plus tardivement. Qu'à l'époque, là, c'est pas cette visée-là qu'on a, c'est faire mousser la publicité, ça profite à la fois au périodique et à la radio, tant mieux, ça fonctionne en synergie, mais on pense pas vraiment à ça. Peut-être à la légitimation, mais à l'archivage, les archives sont pas là, personne les a conservées, les auteurs les conservaient pas pour eux-mêmes, donc j'ai mal à imaginer que ça puisse être vu dans comme une forme d'archivage, alors que ça en est. Je comprends. Oui, Adrien. C'est un complément à ce que vient de dire Caroline. C'est l'archivage, oui, c'est indirectement pour nous, mais c'est deux choses. C'est la légitimité. On observe exactement ce qui se passait au début du XXe siècle quand on publiait des chroniques qui ensuite étaient remédiées dans les livres. Là, c'est vraiment le même mouvement, mais de la radio vers le journal. Une question de légitimité. Puis il y a quand même une question d'argent énorme en jeu, hein, quand on publie plusieurs pages, alors c'est deux ou trois pages ou plusieurs colonnes de Jeunesse Dorée pour Jean Després, c'est aussi un moyen de capitaliser à partir du moment où Radio Monde est quand même le gros joueur du moment. Donc je pense que c'est cette question-là, plutôt que de l'archivage, qui est ensuite une donnée qui est plus pour nous que pour le monde de l'époque. Moi j'aurais juste un commentaire qui me semble t'amener ailleurs que le radio-roman, mais de façon plus large, les années 40, ce qui est assez intéressant dans toute la production médiatique de cette époque-là, et on le voit dans les magazines, mais aussi même dans les romans, hein, Bonheur d'occasion on est peut-être le meilleur exemple, c'est la question du réalisme, je dirais même de la référentialité, qui devient importante, et qui est une référentialité notamment à la culture, et notamment à la culture technologique de la radio. Le nombre de fois que la radio est mise en scène, c'est une mise en abîme qui est évidemment un procédé intéressant pour la radio en tant que telle et pour le radio-roman, mais en général, les années 40, à ce moment-là, il y a cette façon de jouer aussi sur ces nouveaux univers, ces nouveaux référents qui me semblent dépasser de loin le simple, qui n'est pas simple, absolument pas, mais le passage de la radio au journal et vice-versa. Donc c'est plus largement, il y a un imaginaire qui est ici à creuser et qui rappelle le réel d'une façon totalement nouvelle, en tout cas au Québec à ce moment-là. Il rappelle le réel et en même temps, justement, il y a une espèce de... Il y a des archives, j'ai écouté des archives là, d'Émile Coderre, j'en arrache, qui parlent des premiers moments de la radio et il en parle avec une révérence profonde, mais aussi un sentiment de... C'est quelque chose de mystique. On entend le son arrive de nulle part et arrive partout en même temps. Il y a un rapport, c'est ça, qui est dans le mysticisme presque. Donc, pour moi, la transformation de l'acteur en personnage, ça participe de ce mysticisme-là aussi. Mais oui, évidemment, il y a des questions là, de référencement. Puis la presse du début des années 20, là, quand les appareils de radio arrivent, là, on publie massivement. Il y a quelque chose qui se fait sur la radio comme média, comme technologie, qui dépasse là, largement ce qui se passe là. Mais ça ne me semble pas être le même enjeu tout à fait. Puis Micheline Cambron puis Marie-Lou Saint-Pierre, en fait, c'est ça qu'ils ont fait là, comme travail, c'est réfléchir à la manière dont on perçoit la radio dans la presse, comment c'est mis en œuvre, comment c'est aussi mis en récit, l'arrivée de la radio. Puis là, il me semble que ce qui joue ici, c'est plus un travail, c'est ça, une porosité entre les frontières, entre fiction et réalité, un jeu évidemment sur le végétariat aussi, hein, c'est quand même des stars là, à l'époque, et... c'est un transfert de l'oralité vers l'écrit, mais qui fonctionne aussi dans l'autre sens. Puis comme disait Guillaume Pinson, en fait, je suis persuadée que les gens qui lisent ces radioromans-là entendent la voix des interprètes. Ils sont tellement habitués de les écouter, donc c'est ça qui est réactivé aussi. C'est le côté audible du texte. Merci. Peut-être une dernière question. Je me disais aussi, les gens qui rataient l'émission du radio-roman pouvaient retrouver les personnages. Oui, mais non, parce qu'ils reprennent tous les radio-romans, les réécritures reprennent du début. Donc là, dans le fond, dans le radio-roman, ils sont rendus bien loin, là, comparativement à ce qu'ils présentent là, dans Jeunesse Dorée. C'est la même chose dans d'autres productions. Donc, ils les réactivent. Okay. Et on repart. D'ailleurs, souvent, on resserre l'histoire aussi chez Édouard Baudry, c'est ça qu'il fait. Donc, il resserre ça sur le couple fondateur là, de Ninette et Bob, qui, dans le radio-roman, à la même époque, quand Feuilleton paraît, se sont mariés. Donc, leur aventure est comme terminée, ils ont passé d'un autre côté. Mais là, on rejoue dans le feuilleton leurs premières amours.
Donc, on repart du début. Fait, non, c'est pas pour aider les gens qui ont manqué les épisodes. Okay. C'est autre chose. OK. Oui. Encore plus intéressant. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Caroline. On peut l'applaudir. Hein. J'invite maintenant Henri Dion. Je vais aller placer ton PowerPoint. Donc, pendant que Harold s'occupe de la dimension technique de la présentation, je vais vous présenter Henri Dion, qui est un membre aussi de l'organisation de cet événement. Donc, ça me fait plaisir de t'entendre aujourd'hui, Henri. Henri et Dion est candidat à la maîtrise en histoire ici à l'Université de Sherbrooke sous la direction d'Harold. Ses recherches portent sur l'histoire de la presse, l'histoire urbaine et l'histoire locale. Son mémoire portera sur les rôles de la presse quotidienne à Sherbrooke et dans les cantons de l'Est. Il est également récipiendaire des bourses du CRSH et du FRQSC, membre étudiant du laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, exécutant à l'association étudiante et co-auteur avec Harold Bérubé de, vous excuserez mon anglais, de Latest and Most Important Local and Foreign News, Producing and Reading the Press in the Eastern Township 1867-1839. Ça va paraître dans un ouvrage collectif intitulé Quebec's Eastern Townships and the World, a Region and its Global Identities, qui va paraître aux presses McGill Queens, sans doute prochainement. On l'espère. Donc, le titre de sa communication aujourd'hui, s'intitule Presse régionale ou presse urbaine en région, les quotidiens de Sherbrooke dans le paysage médiatique des cantons de l'Est dans la première moitié du 20e siècle. Donc, Henri, c'est à toi. Parfait. Donc, bonjour à tous. Ça me fait bien plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous propose l'angle d'étude, là, presse urbaine ou presse régionale, parce que, justement, les quotidiens, c'est un fait qui est très urbain, donc au début du 20e. Et à Sherbrooke, on a plutôt une ville régionale dans laquelle on compte deux quotidiens. Donc, on serait tenté là, de se demander qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont pas dans leur élément. Donc, au début du 20e, on a une industrie de la presse au Québec qui est déjà bien établie. Hein, son grand pic de croissance est passé. On peut voir que le nombre total de journaux ne change pas beaucoup, mais c'est quand même l'hebdomadaire qui domine. Donc, les régions du Québec sont massivement dominées par ce type de publication-là. On a déjà donc des journaux qui sont modernes. Déjà ici, là, je vous ai mis une édition de la presse de 1910. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, Harold parlait des événements au bureau de la presse. Et là, ici, on en a un. Donc, un joueur de crosse, les joueurs de la crosse qui sont accueillis devant les bureaux de la presse. Donc, des journaux qui sont déjà modernes, qui ont déjà une présentation là, qui n'est pas si lointaine là, de celle qu'on a aujourd'hui. Donc, une présentation qui est aérée. On a des grands titres, des sous-titres. On a beaucoup d'illustrations et d'images. On a déjà des quotidiens qui sont des machines, donc véritables machines à imprimer, qui ont des circulations là, jusqu'à 100 000 copies par jour pour la presse. Et tout ça s'est rendu possible grâce, évidemment, à la publicité, qui est devenue là, le principal moteur économique de cette presse-là. Donc, c'est pas évidemment la réalité pour l'ensemble du Québec. Donc, si on regarde les bandes qui nous intéressent, c'est les deux dernières. Le quotidien est vraiment une réalité propre à Montréal et Québec. Et Sherbrooke, là, dans les cantons de l'Est, est le seul endroit où on peut retrouver des quotidiens là, en dehors là, de ces deux grandes villes-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de Sherbrooke, excusez-moi. Donc, à Sherbrooke, on a deux quotidiens, le Sherbrooke Daily Record, qui est lancé en 1897, et la Tribune, qui, elle, apparaît en 1910. C'est un cas particulier, comme je vous le disais, parce que à l'époque, Sherbrooke, c'est une ville de 16 000 habitants, donc loin du plus de 500 000 de Montréal à l'époque. Et c'est également une ville dans la région du Québec qui compte le plus de journaux par habitant. Donc, si vous regardez le graphique qui est à droite, on se rend compte, là, le graphique qui est à l'envers, là, c'est le nombre d'habitants par titre de journal, qu'il y a quand même presque deux fois plus de journaux par habitant dans les cantons de l'Est.
Donc, on peut se demander, là, qu'est-ce qui a permis à Dol Quotidien de survivre dans un environnement aussi compétitif que Sherbrooke et un environnement qui est déjà saturé de journaux? Est-ce que c'est, donc, des quotidiens qui ont reproduit le modèle métropolitain à une échelle plus réduite? Ou bien, est-ce que c'est vraiment des journaux régionaux qui ont trouvé une façon ingénieuse là, de se vendre chaque jour? Donc, pour tenter de répondre à la question, je vais vous proposer de faire un bref tour d'horizon de la presse régionale des cantons à l'aide des résultats là, d'une étude exploratoire que j'ai faite avec Harold il y a un petit moment déjà. Et ensuite, on va s'intéresser plus spécifiquement au rôle puis au contenu des quotidiens de Sherbrooke. Et ça, c'est le sujet de ma maîtrise là, que je fais présentement. Donc, la région des cantons de l'Est, là, si on observe le nombre de journaux, on peut voir que dans la période qui nous intéresse aujourd'hui, on a une certaine stagnation, même une baisse là, du nombre de journaux. Donc, ça, c'est dû, là, comme vous pouvez voir, là, c'est les journaux anglophones qui sont en décroissance. C'est dû à un exode là, de cette population-là à l'époque. Les journaux qui dominent évidemment en région, ce sont les hebdomadaires. On a bien sûr quelques mensuels, quelques billets hebdomadaires, tri-hebdomadaires parfois, mais c'est vraiment l'hebdo qui fait la norme. Ce sont généralement des petits journaux qui comptent entre 6 et 12 pages et qui ont des tirages entre quelques centaines et quelques milliers de copies. Au premier coup d'œil, si on les regarde, ces journaux-là, on peut tout de suite voir un bel écart dans la présentation là, versus la presse que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, ce sont des journaux qui nous rappellent beaucoup plus le 19e, donc une présentation qui est très serrée, très peu d'illustrations, des titres difficiles à voir et à trouver. Des contenus qui, à prime abord, pourraient ressembler à ceux publiés dans la grande presse de Montréal. C'est sûr qu'on va avoir là, des nouvelles locales, des nouvelles internationales et nationales. C'est sûr qu'on va avoir un feuilleton, c'est sûr qu'on va avoir un petit peu d'éditorial et une large part de publicité, là, donc souvent près de la moitié là, de la surface. Mais lorsqu'on étudie de façon plus approfondie les contenus, c'est là qu'on va se rendre compte que on a des différences profondes au niveau des orientations, des thèmes qui sont couverts dans le journal. Donc, d'abord, on va se rendre compte qu'il couvre très peu les choses comme le sport ou les divertissements culturels qui sont, à l'époque, pourtant très courants dans la presse montréalaise. Et on va aussi se rendre compte qu'ils sont très ancrés dans leur milieu, donc que ce soit la ville ou la région, plus souvent qu'autrement la région. Vous pouvez le voir dans les titres, donc que ce soit l'Union des cantons de l'Est, l'Étoile de l'Est, le Progrès ou l'Écho des Bois-Francs. Donc, ce sont tous des journaux qui vont se faire un honneur de parler de leur région. Donc, ils vont tout avoir une large part de leurs articles d'information qui seront sur les cantons et ils vont également avoir souvent des sections spécialement dédiées à ce type d'information-là, comme vous pouvez le voir ici, là, que ça s'appelle « Nouvelles des cantons » ou bien « Daily News Special from All Parts of the Eastern Townships ». C'est quelque chose qui est vraiment récurrent et qui occupe là, la majeure partie finalement de l'information de ces journaux-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer la si large part de l'information régionale dans ces journaux-là par rapport à, par exemple, les nouvelles locales ou nationales ou provinciales? Bien, plusieurs hypothèses pourraient être avancées. Donc, d'abord, ce sont des journaux qui ont très peu de moyens, parfois aussi peu que deux ou trois personnes là, pour l'ensemble d'un journal. Donc, ils ne peuvent pas s'offrir beaucoup de journalistes, ils ne peuvent pas s'offrir beaucoup de nouvelles câblées qui, à l'époque, sont vendues au caractère près. Mais ce qu'ils peuvent s'offrir, ce sont des correspondants. Donc, des correspondants qui seront probablement peu ou pas rémunérés, peut-être un abonnement gratuit ou quelque chose du genre, et des correspondants qui vont pouvoir envoyer chaque semaine une à plusieurs lettres contenant toute l'information qui se passe dans leur localité. Donc, il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, les grands quotidiens montréalais sont, pour la plupart, très accessibles en région. Donc, si on veut s'abonner à la presse, ce n'est pas un problème. Donc, un des seuls domaines qui reste pour se différencier vraiment de la presse métropolitaine, ce sera les informations régionales, qui sont un peu un parent pauvre là, de la presse montréalaise. Un autre endroit de différence thématique, c'est évidemment là, le contenu agricole. Donc, on va bien vouloir... Ouais, on a un petit... On a un petit problème. Donc, on va couvrir les récoltes, que ce soit au Canada, mais également dans la région, dans les divers villages, comment avance la récolte de plusieurs là, cultures différentes. On va parler des nouvelles avancées technologiques, des nouvelles machineries qu'on peut utiliser. On va également avoir de la publicité pour couvrir tout ça. Et on va également
se faire un devoir de couvrir les foires agricoles, qui sont un des principaux là, attraits culturels là, dans les cantons de l'Est à l'époque. Maintenant, un dernier aspect qui va vraiment caractériser la presse régionale des cantons, c'est des sections qu'on appelle des notes, des notes locales. Donc, ce sont des carnets mondains. C'est intéressant que M. Pinson en ait parlé ce matin. Donc, vraiment, des sections très intéressantes parce que, outre des petites nouvelles locales et des petits faits divers, on va trouver surtout des potins et les allées-venues de tous les habitants d'une localité. Donc, c'est en quelque sorte un Twitter avant la lettre. Si vous regardez les exemples, là, ça peut être très rigolo. On peut suivre à la trace là, les différentes personnalités locales. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est lorsqu'on se rend compte que finalement, c'est pas seulement pour la localité en laquelle le journal est publié, mais bien pour tout un réseau d'autres localités environnantes, où est-ce qu'on va pouvoir suivre, donc, qu'est-ce que fait notre ami qui vit dans le village d'à côté, ou notre oncle qui, lui également, là, ne vit pas dans la même ville que nous. Donc, ça crée vraiment un réseau dans les cantons de l'Est, une façon facile de se tenir au courant de qu'est-ce qui se passe un peu partout. Ces types de sections-là, évidemment, ne sont pas exclusives à la presse des cantons. Ça se retrouve dans la presse montréalaise. Mais à l'époque, c'est sûr que ces sections-là vont être davantage dédiées au vedettariat, aux grandes personnalités politiques, aux industriels et gens, les richissimes fortunes. Donc, c'est sûr que ça n'a pas le même degré là, d'intimité que ces sections-là dans les cantons. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est des quotidiens de Sherbrooke? Là? Où est-ce qu'ils se situent par rapport à cette presse régionale-là? Et au grand quotidien métropolitain. Mon dépouillement actuel me permet de vous parler vraiment des environs de 1910. Ce que je m'attendais à trouver, c'est un quotidien alternatif qui aurait fait le pont là, entre les forces du grand quotidien montréalais et les particularités de la presse régionale. La réalité va être un petit peu différente. On va voir que les deux quotidiens vont adopter des stratégies qui sont un peu différentes pour survivre dans leur environnement compétitif. Donc, visuellement d'abord, on peut voir que le Record, lui, est très fidèle là, au type là, journal régional des cantons. On a une présentation très 19e, très victorienne même. On a des colonnes qui sont très serrées. On commence à avoir des titres en évidence, là, mais c'est quand même là, assez tassé comme première page. On va avoir assez peu d'illustrations également. Les sections ne sont pas toujours bien délimitées là, dans les pages du journal. De son côté, la Tribune, elle apparaît comme beaucoup plus moderne. Là. Elle a une présentation plus aérée. C'est sûr que d'avoir une colonne de moins que le Record aide beaucoup. Ça l'aide aussi à publier moins de contenu en autant de pages. Donc, dans mon dépouillement, j'ai pu voir que le Record publie quasiment deux fois plus de choses que la Tribune là, sur une semaine. Excusez-moi. Donc, la Tribune adopte aussi là, des plus grands titres, beaucoup plus d'images, pour frapper le lecteur. Maintenant, du côté du contenu publié, le Record, lui, est encore une fois très régional. Vous pouvez voir, là, je vous ai mis en dessous de chaque colonne les localités qui sont concernées, et ce sont tous les localités des cantons. Sherbrooke revient deux fois, mais il y a aussi plein d'autres localités qui reviennent le même nombre de fois. Donc, c'est vraiment la région qui domine. On verra aussi que ce sont des nouvelles qui sont très terre-à-terre, là, qui sont très proches du quotidien des habitants des cantons. Et on remarque également la section tout à droite là, des New Specials que je vous ai montré aussi tout à l'heure, qui revient chaque jour et dans laquelle on a une douzaine de brèves de style télégraphique sur les nouvelles des cantons. De son côté, la Tribune, elle, apparaît comme plus diversifiée peut-être, plus équilibrée, on ne sait pas. Donc, si on regarde rapidement, on a un combat de boxe en Arizona, un sénateur malade à Montréal, une exécution à Paris, une autre en Virginie, un crime crapuleux à New York. Donc, c'est certainement plus cosmopolite, mais également plus sensationnaliste. Donc, vraiment, une présentation et un contenu qui détonne là, par rapport au style très austère là, du Record. Maintenant, le Record, lui, poursuit également sur sa lancée de journal régional. Il va avoir beaucoup de contenu agricole dans ses pages. On va pouvoir suivre presque à la trace là, la croissance des diverses cultures de tous les villages des cantons. On va également avoir là, toutes sortes de beaux articles sur les avancées en matière de production ici de fromage ou bien les avantages d'avoir un enclos à cochons. De son côté, la Tribune est vraiment peu friande de ce genre d'articles-là.
J'ai pas encore vraiment mis le doigt sur la raison pourquoi, mais c'est probablement parce que les grands quotidiens de Montréal publient une version hebdomadaire fermière là, finalement de leur journal. Je sais que la Tribune, la Presse en publie un hebdomadaire là, vraiment dédié aux campagnes. Donc c'est peut-être là la raison là, qui explique l'absence de ces contenus-là dans la Tribune. Maintenant, ces deux quotidiens ne sont pas juste différents, ils partagent quelques petites choses, comme un attrait pour les sports et les divertissements culturels, donc contrairement au reste de la presse des cantons. On va parler beaucoup de boxe, on va parler également de baseball, là, autant des résultats locaux, régionaux, que des résultats des ligues américaines. On va aussi beaucoup parler de courses de chevaux, donc un sport qui est très populaire à l'époque. À Sherbrooke comptait d'ailleurs son hippodrome et les courses sont couvertes là, dans de très amples détails dans les pages de ces deux journaux-là. Finalement, on va également parler là, des divers concerts ou conférences qui sont offerts dans la ville de Sherbrooke. Maintenant, si on fait un petit peu là, d'analyse de données, on peut regarder ici la provenance des informations là, dans les deux journaux. À gauche, on peut voir que la Tribune apparaît comme déjà beaucoup plus équilibrée, mais le parent pauvre là, de sa couverture, ça semble être les nouvelles régionales, donc qui apparaissent en jaune, tandis que de son côté, le Record, lui, apparaît déjà comme un grand champion là, de l'information régionale. Maintenant, une autre chose que ces deux journaux-là partagent, c'est les rubriques mondaines. Donc, pour la ville de Sherbrooke, ça s'appelle City News dans le Record, et notre local ainsi que personnel, deux sections qui se fondent parfois l'une dans l'autre dans les pages de la Tribune. C'est sûr qu'on va retrouver tous les potins qu'on pouvait voir là dans les pages précédentes, mais on peut également voir des petites informations qui se glissent ça et là. Donc, sur... par exemple, ce que la police, les malfrats que la police a arrêtés au cours de la journée précédente, ou encore s'il y a un encan de fruits là, en coin de rue cet après-midi. Donc, là où ça devient le plus intéressant, c'est parce que ces deux journaux-là entretiennent là, des sections complètes de ce genre d'informations-là pour l'ensemble des cantons de l'Est. Donc, ça s'appelle de façon bien éponyme dans les cantons pour la Tribune. Et du côté du Record, là, on divise ça en deux sections là, selon le district judiciaire pour une raison qui m'échappe. On a donc une section pour le district de Bedford puis une autre pour le district de Saint-François. Ces deux sections-là fonctionnent de la même façon. Ce sont des correspondants spéciaux qui envoient des informations au journal et on publie un paragraphe là, pour chaque localité dans les pages du journal, donc de une à plusieurs fois par semaine. Maintenant, si on regarde là, à quoi ça ressemble ces réseaux-là, ben, on se rend compte que c'est vraiment impressionnant. Donc, la Tribune, elle, va couvrir là, 38 villes et villages sur la semaine, par exemple, du 4 au 9 juillet 1910. 4 au 9 juillet 1910. Tandis que de son côté, le Record, lui, va couvrir là, un immense total de 143 villes, villages et même des lieux-dits. Donc, des endroits tellement petits là, que ce ne sont pas réellement des villages et qui sont très durs à géolocaliser aujourd'hui. Donc, cette couverture-là, régionale, elle n'est pas exclusive à la presse des cantons. Donc, j'ai trouvé des sections similaires dans les grands quotidiens de Montréal. Ça s'appelle Villégiature ou bien Nouvelles des campagnes dans la presse et la patrie. Mais leur importance est vraiment diminuée là, par rapport aux sections des journaux des cantons. Par exemple, dans la presse, c'est quelque chose qu'on va retrouver seulement dans l'édition du samedi. Et ça va couvrir deux pages sur les quelques 40 que la presse publie. Donc, c'est vraiment quelque chose là, de mineur là, par rapport à leur importance dans les quotidiens de Sherbrooke. Donc, si on considère que ces sections-là contiennent en quelque sorte de l'information et qu'on décide de les ajouter à notre précédent graphique, ben, on peut voir que finalement, la Tribune s'intéresse quand même pas mal à sa région et c'est sûr que du côté du Record, ça devrait être encore plus massif, donc l'importance là, du contenu régional dans ces pages. Donc, pour conclure, ce qu'on a pu vraiment remarquer, là, c'est que les quotidiens sherbrookois, ils se démarquent des autres publications régionales parce que, bien, ils diffusent largement plus de contenu d'une part, mais également, ils trouvent des thèmes qui sont habituellement absents dans cette presse-là, comme les sports, comme les divertissements culturels. Ils adoptent également à divers degrés une présentation qui pourrait être plus moderne et ils vont différer également, finalement, de la presse métropolitaine parce que, bon,
Ils ont leur contenu agricole, ils ont également une un certain retard là, sur certains éléments de la presse qu'on pourrait dire moderne, comme les pages féminines, par exemple, qui sont des grands absents là, de cette presse-là. Ils ont également moins de divertissement et des ambitions plus modestes là, en termes de nombre de pages et de quantité d'illustrations. Leur principale différence, cependant, se demeure dans la couverture informative, donc leur intérêt pour leur région, donc qui est vraiment leur caractéristique là, principale. On a aussi pu voir que la Tribune semble avoir des ambitions plus généralistes que son confrère Le Record. On peut supposer que c'est parce que le public francophone est moins susceptible d'être abonné à plus qu'un journal, contrairement peut-être aux anglophones. Donc, c'est peut-être pour ça que la Tribune peut se donner le droit là, de jouer le même rôle que la presse en publiant le même genre de contenu. De son côté, lui, le Record nous a montré qu'il y a vraiment une vocation régionale, autant à cause de son important réseau de correspondants que de vraiment la proportion massive d'informations régionales qu'il publie chaque jour. Donc, on a vu qu'il y avait un autre clivage, finalement, entre ces journaux-là, pas seulement avec les autres types de presse, mais également entre eux-mêmes, qui a plus rapport avec le type de journaliste qu'ils ont choisi d'adopter, donc un journaliste qui est beaucoup plus victorien, plus austère, plus terre-à-terre aussi, pour le Record, tandis que du côté de la Tribune, on a plutôt là, le côté du grand nouveau journalisme américain, qui est aussi là, caractéristique de la grande presse montréalaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri, pour cette présentation bien intéressante. J'ouvre la période de questions pour la communication d'Henri. Oui, je vous inviterai à vous avancer vers le micro, si c'est possible. Merci. Pour les gens en ligne. Oui, bien sûr. Je voulais revenir justement à ces petites notes de promenade du dentiste de telle localité qui vient ou pas. Non? On dirait que le micro fonctionne peu. Le micro de la salle, merci. Ça fonctionne maintenant? C'est non? Bon? Ça fonctionne peu? Je sais pas. Non, ça fonctionne pas. Non, ok. Attends, je vais essayer peut-être. Je suis pas sûre qu'on a une assistance incroyable sur les internets en ce moment, mais. Est-ce que celui-là fonctionne? On sait jamais. Oui, celui-là fonctionne. Excellent. Merci. Test micro. Ah, bon. Ben c'est peut-être parce merci, que. Merci. Merci. Oui, c'est ça, sur les notes des gens qui se baladent. Puis je me demandais si on avait une idée. Tous ces gens-là appartiennent à une petite bourgeoisie, en fait. Est-ce que c'est justement des stars locales ou c'est vraiment juste dentiste monsieur qui est venu? Honnêtement, de ce que j'ai pu voir, c'est pas juste les figures importantes là, de, mettons, une petite bourgeoisie locale. C'est sûr qu'ils vont se retrouver là plus souvent. Le notaire, le dentiste, là, c'est sûr qu'il figure plus souvent. Mais il y a vraiment des gens là, qui sont possiblement des monsieur, madame, tout le monde. Et qui, malheureusement, sont très difficiles à identifier aujourd'hui. Là. La plupart de ces notices-là ne nomment pas de profession ou bien de quoi que ce soit qui permettent d'identifier là, à quelle classe appartiennent les gens. C'est sûr que là, on peut avoir une certaine idée avec les activités qu'ils font. C'est sûr que ça sera pas là, les ouvriers qui ont un salaire de misère qui vont passer une semaine chez leur parenté à Québec, mais quand même, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu plus démocratique que les sections mondaines là, de Montréal. À cette époque-là. Merci. Je crois qu'il y avait José, puis ensuite Guillaume. Oui. Faut approcher le micro, je pense. C'est ça. Est-ce qu'on sait qui lit ces journaux? En fait, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le lectorat francophone, anglophone et le profil? Est-ce que les francophones sont plus urbains, plus centrés sur Sherbrooke, alors que les anglophones semblent plus disséminés à travers la région? Je pose la question parce que ce qui m'a frappé, c'est la carte, la géolocalisation. On voit vraiment bon, toute la question des lieux-dits, là, et on a l'impression que c'est peut-être un lectorat qui est peut-être plus ancré justement dans la région, mais est-ce que c'est une hypothèse qui vaut le coup d'explorer?
Oui, certainement. À l'époque, déjà, les francophones sont majoritaires dans les cantons de l'Est, mais c'est surtout à cause de la grosse population ouvrière de Sherbrooke. D'autre part, il y a beaucoup de localités qui sont fortement francophones, des cantons qui sont colonisés en quelque sorte par les francophones, tandis que les localités anglophones vont rester là, pour la plupart jusqu'à un peu plus tard là, au cours du 20e. Donc, tu sais, la tribune a un tirage d'environ 5000 copies à l'époque, et selon moi, c'est surtout des copies vendues à Sherbrooke, tandis que le Record, lui, a plutôt un tirage de 9500 copies, et il se targue là, devant les annonceurs dans le McKim's de distribuer sur tout ce territoire-là. Donc, jusqu'à les pins que j'ai mis là, les plus hautes, là, ils se targuent de publier jusque-là et que son lectorat là, s'étend sur toute la région. Donc, tandis que la tribune, là, de son côté, ne semble pas avoir des ambitions aussi étendues là, en termes de territoire. Merci. Guillaume? Moi, je ne peux pas m'empêcher de souligner que j'ai été aussi complètement fasciné par vos petites notes sociales. Là. Je parlais ce matin, si vous les remettez là... Je parlais ce matin d'effet de fictionnalisation rétroactive. On pourrait l'avoir quelque chose de forme de vraiment, c'est des micro-poèmes presque absurdes. Hein. Monsieur Léo Caron de Sherbrooke est allé à Coaticook hier. Monsieur Charles Coder était aussi à Coaticook hier. Monsieur Thomas de Coaticook était en ville hier, il logeait au Continental. Enfin, il y a quelque chose, dans la lecture qu'on fait, c'est juste pour, c'est une blague évidemment, mais de montrer la lecture qu'on fait, qu'elle est détachée de l'objet d'une certaine manière, parce qu'on ne sait plus du tout qui sont ces anonymes. Mais au-delà de ça, ce que je veux souligner, c'est en fait que vous avez raison de fouiller ce genre d'objet médiatique, parce que dans l'histoire de la presse, on parlait d'historiographie, tout ça, la presse vient toujours en second, elle est toujours négligée. Puis on s'occupe toujours de la grande presse nationale, avec les grandes nouvelles internationales, les stars, enfin tout le système, tout ça, c'est très, très visible dans les cultures. Puis on construit après des discours historiographiques, historiques, mais finalement, regardez à quel point pour les gens qui vivaient dans la région, c'était important parce qu'ils savaient très bien de qui il s'agissait, ils se connaissaient. Le journal comme objet de lien social, de connexion, le journal régional, tu sais, jouant ce rôle-là, c'est majeur. Il faut étudier ces objets. Je pense que vraiment... je ne crois pas faire erreur en disant qu'au Québec, la presse imprimée, c'est d'ailleurs un cas qu'on voit en France aussi, la presse imprimée régionale est toujours plus solide que la presse nationale parce que en fait, elle répond à un souci de lien, de connexion, de nouvelles, de proximité que ne peut pas donner la presse nationale pour les gens qui vivent dans ces régions petite ville ou périurbaine. Alors, c'est pour vous encourager à lancer tout un grand chantier sur la presse régionale parce qu'il y a vraiment une belle matière. Merci beaucoup. Oui. Je vous invite à vous approcher. Merci. Faut parler proche du micro. Ça vaut pour toi aussi, Henri. T'approcher un peu. Oui, merci beaucoup. Pour revenir à la carte et aux carnets sociaux, ça, pour avoir lu plutôt l'Évangeline qui est publiée au Nouveau-Brunswick, on y voit vraiment, c'est monsieur, madame, tout le monde, là. C'est vraiment, donc, j'y voyais là, j'avais des voisins, puis on n'était vraiment pas des célébrités, dans le quartier. Sur cette carte-là, ce qui est fascinant, c'est que je pense qu'on pourrait prendre le recensement de 1911, et plaquer par-dessus juste le pourcentage d'anglophones et de francophones par comté, origine britannique, origine française, et on verrait quelque chose qui devrait se rapprocher beaucoup. Donc là, il y aurait, du point de vue justement de la proportion de la population, pour aller plus finement, on pourrait y aller aussi par sous-district de recensement, mais juste au niveau du comté, ce serait une carte qui serait assez rapide à faire et qui viendrait illustrer encore plus là, ce genre de répartition-là. Mais c'est vraiment, on voit tout de suite les ambitions ici du Record, comme tu le disais, là, qui sont vraiment de représenter l'ensemble de la population. Puis on voit aussi la ruralisation de la population anglophone. Tu as déjà mentionné que Sherbrooke est devenu majoritairement francophone, alors qu'il y a des comtés, Brome notamment, qui sont encore à majorité anglophone. On le voit là qu'il y a une aussi du côté de Surreyville, qu'on voit aussi un petit peu. Donc, je pense que c'est il y a vraiment un lien avec la population qui est dans ces différentes régions-là. Et que ça, c'est un petit filon qui serait assez rapide là à exploiter avec une autre petite carte ou deux. Merci. Moi, j'avais une petite question.
question. C'était comment ça survient? J'ai pas vu beaucoup de publicité, par exemple, dans le record sur le plan des revenus, cette presse-là. Est-ce que c'est essentiellement de la vente? Est-ce que tu as quelques pistes là-dessus? Parce que clairement, regarde les pages, il n'y a pas de publicité, il y a pas de... Ah oui, il y a beaucoup de publicité. Il y a beaucoup de publicité, oui, OK. Oui, c'est clairement la publicité qui vend ces quotidiens-là. OK, c'est ça, parce que dans les pages que tu as montrées, c'était pas... Non, c'était évident. Seulement la une. OK. À la une, ils se font un devoir de juste mettre une, des fois deux petites publicités, mais dans le reste du journal, je te dis, c'est la moitié de la surface, là, pratiquement. Donc, c'est des journaux qui se vendent aussi peu que la grande presse montréalaise. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est $1.50 par année, là, un abonnement. Donc, c'est vraiment, là, encore une fois, la publicité, là, le modèle d'affaires. Mm-hmm. Malheureusement, moi, j'ai pas trouvé d'archives opérationnelles, là, donc... Peut-être que le McKinsey est une bonne façon là, d'avoir des chiffres, mais pas vraiment d'avoir plus que ça. Là. Des chiffres de circulation, c'est pas mal les seules choses qu'on peut avoir. Ouais. Merci. Peut-être, Adrien, une dernière question. Ouais, je tire la couverture un peu du côté des littéraires, mais en voyant la tribune, puis tu as parlé des pages féminines, il n'y a pas de pages féminines. J'ai juste envie de te demander, est-ce que tu vas un peu plus loin dans ta période? Parce que 1910, on est à 15 ans du mouvement littéraire des cantons de l'Est. On est à 15 ans du moment où Fortin, qui va diriger la tribune, va faire de Sherbrooke, va vraiment mettre Sherbrooke sur la map avec tout un monde littéraire, culturel, Desrochers, toutes les femmes poétesses de cette époque-là. Et on voit la tribune à ce moment-là, en 25-30, prendre exactement la même tangente que ce que tu observes déjà pour 1910, que les grands quotidiens. Donc je me demandais, est-ce que tu allais pousser un peu plus loin et voir à quel moment il va y avoir ce petit déclic qui va faire que la tribune, en fait, va poursuivre un peu sa belle fortune dans l'entre-deux-guerres? Ben heureusement pour toi, oui. Parce que justement, là, ma méthodologie, c'est un déploiement qui est très, très ponctuel. Puis ensuite, je vais en faire plusieurs à 10 ans d'intervalle pour voir comment tout ça change là à travers le temps. Probablement jusqu'en 1940. Donc, pour avoir vraiment une idée là, de la trajectoire que tout ça suit. Là. Merci beaucoup, Henri. On peut l'applaudir. Donc, j'invite maintenant à l'avant Karim Chahin et Julien Renaud-Belleville pour la dernière communication de cette séance. Merci Harold pour le PowerPoint. Donc, je vous présente tout de suite les deux intervenants. Donc, Karim Chahin est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval. Son mémoire de maîtrise porte sur l'écriture de l'histoire canadienne-française durant le 19e siècle, ça va? OK. Et plus spécifiquement sur les récits historiques de François-Xavier Garneau et de Benjamin Sulte. Lauréat de la bourse Jean-Charles Bonenfant de l'Assemblée nationale du Québec en 2018-2019, il a ensuite continué son parcours professionnel au sein de cette institution à la direction de la séance et de la procédure parlementaire. Après avoir complété son DESS en enseignant collégial à l'Université Laval en 2022, il a obtenu une bourse du CRSH afin de poursuivre ses études de doctorat en études littéraires, afin d'étudier les liens entre politique et littérature au sein de l'institution qui est la Bibliothèque de l'Assemblée législative du Québec. Julien Renaud-Belleville est titulaire d'un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en histoire de l'Université Laval aussi. Son mémoire de maîtrise porte sur les trajectoires mémorielles du maréchal Michel Ney pendant la Restauration française de 1815 à 1848. Il complète présentement la maîtrise qualifiante en enseignement du secondaire à l'Université Laval. Ses intérêts de recherche se tournent présentement vers l'histoire locale de la ville de Québec, notamment les liens qui unissent la ville de Québec et le commerce du bois au 19e siècle. Il s'intéresse également à l'histoire du quartier Limoilou. Il est présentement enseignant à l'école secondaire de la cité située dans l'arrondissement Cité Limoilou et vous ne serez pas étonnés quand je vais vous parler du titre de leur communication intitulé « Les enjeux urbains comme vecteurs d'une identité de quartier », le cas du courrier de Limoilou 1934-1978. Donc, j'ai bien hâte de voir, je suis certaine que ça va compléter un peu d'une autre façon la communication d'Henri. C'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ouais. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Plus haut. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, un peu de contexte avant. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Limoilou ici. Donc, notre enquête se déroule dans le quartier Limoilou de la ville de Québec. Autant son histoire est assez riche, autant elle est assez jeune comparée à celle de la ville de Québec. Au 19e siècle, Limoilou n'existe pas encore et fait plutôt place à de grands champs
à la route, à la fameuse route de Charlebourg, plus au nord, et aussi à celle de Beauport vers l'est, et aussi à de quelques petits villages comme Stadacona et Edleyville. Les services sont très limités, voire presque inexistants, ce qui va pousser les petits villages à s'unir ensemble pour se doter de meilleurs services publics. C'est donc en 1893 que le toponyme Limoilou apparaît sur les cartes. Ce nom-là est donné en l'honneur de Jacques Cartier et son manoir à Saint-Malo en Bretagne. Donc cette nouvelle municipalité va rester indépendante jusqu'en 1909, date à l'annexion de la ville de Québec. Donc c'est à ce moment-là que se met en place les traits les plus distinctifs du quartier. L'esthétisme singulier de Limoilou va être décidé par une compagnie, la Québec Land Company, qui va racheter les terres des propriétaires terriens anglophones en 1906. Donc la compagnie immobilière instaure alors les fameux odonymes numériques style new-yorkais et les critères architecturaux stricts. Donc ça va prendre, donc les bâtiments doivent avoir au moins 2 étages, être construits en pierre ou en briques. Ils doivent avoir une marge de retrait entre la rue et le bâtiment permettant des aménagements et donnant une impression de grands espaces. Les industries dites polluantes sont aussi proscrites sur le territoire de la compagnie, donc incinérateurs, abattoirs, tanneries, etc. Donc, ainsi, tout juste avant l'annexion à la ville de Québec, on compte environ 2000 habitants sur ce territoire nommé Limoilou. Donc, l'annexion va apporter d'ailleurs au quartier de nombreux services, donc plus de tramways, un système d'égout, une caserne de pompiers et une caserne de police également. Cependant, la société civile et religieuse va veiller au grain. Donc, la Ligue des citoyens de Limoilou est incorporée en 1928 et souhaite principalement défendre les habitants du quartier contre les possibles injustices qui pourraient être commises par les autorités de la ville de Québec. Et de son côté, le clergé, avec les capucins en tête, surveille également les consciences des Limoulois en interdisant notamment les cinémas et les débits de boissons. Donc, oui. De 1911 à 1931, Limoilou passe... J'ai-tu skippé? Non, c'est bon. Limoilou passe de 3600 habitants à 26 000 habitants. On parle surtout d'une population de jeunes familles avec de nombreux enfants qui viennent surtout des autres quartiers de la ville de Québec. Les individus sont assez mobiles, vont travailler au sud de la rivière Saint-Charles, mais aussi dans les deux industries phares du quartier qu'on voit à l'écran, donc la papetière Anglo Pulp and Paper, ainsi que les compagnies de chemin de fer. Avec l'arrivée de plusieurs familles, donc, les services scolaires et de santé vont s'améliorer et les petits commerces de proximité vont fleurir, comme Karine va nous le présenter. Lorsque le courrier de Limoilou est fondé en 1934, 30 000 habitants fourmillent au nord de la rivière Saint-Charles. En 1960, c'est plus de 65 000 personnes qui y résident, soit 37 % de la population de la ville de Québec. La vie sociale se développe avec l'ancrage très important des paroisses à Limoilou. Les citoyens et citoyennes clament leur fierté et leur appartenance à l'une des 11 paroisses du quartier. Donc, quel est l'intérêt du courrier Limoilou? Bien que nous puissions trouver quelques occurrences ici et là du courrier, celui-ci n'a jamais été dépouillé de façon méthodique. Il n'a jamais été le centre principal d'une recherche. Le courrier de Limoilou se présente en quelque sorte comme un journal périphérique au grand quotidien de Québec. Sous la propriété de la famille Aymon de 1934 jusqu'à 1975, il a été ensuite racheté en 1978, il va disparaître en 1978. Donc, comment le courrier de Limoilou a-t-il pu tirer son épingle du jeu à travers la presse à grand tirage de la ville de Québec comme Le Soleil? Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Le format du courrier va changer aussi selon les différents cycles de publication. Donc, durant les premières décennies, on parle d'un journal de publication bimensuelle de 6 à 8 pages dans lesquelles les publicités prennent au moins 50% de l'espace.
Plus les années avancent, plus le courrier va se garnir, jusqu'à environ 60 de pages dans les années 70, un peu dans le genre Journal de Montréal, Québec. Cependant, les articles de fond restent sensiblement au même nombre, donc 2 à 3 environ. La publicité reste aussi reine, aux côtés des textes récurrents comme l'histoire de Limoilou, les textes dits féminins, les textes religieux ou des chroniques, par exemple, immobilières ou de santé. De plus, le courrier de Limoilou publie également des numéros spéciaux sur les élections municipales, aussi des numéros spéciaux sur, sur les fêtes de Noël. Oui, c'est ça. Donc, au départ, sa distribution se limite au quartier de Limoilou, mais après ça, ça va être aussi distribué dans le quartier Saint-Roch, qui est au sud de la rivière Saint-Charles. Le journal a comme devise « coopération et justice », et il se targue aussi d'être un organe libre et dirigé en collaboration sans affiliation politique. Le journal est distribué gratuitement, mais les lecteurs peuvent s'abonner à un abonnement dit de reconnaissance pour aider financièrement le journal. Donc, le courrier va nous servir de tremplin pour comprendre et analyser d'abord les principaux enjeux urbains qui se développent des années 30 à 60 dans le quartier Limoilou. En ciblant plus précisément certains de ces enjeux, nous voulons par la suite voir comment ceux-ci participent activement à la formation d'une identité propre du quartier Limoilou. Le courrier Limoilou ne fait pas qu'être un simple miroir de la communauté et de ses lecteurs, ou comme un simple babillard des activités des événements de quartier. Il participe activement à véhiculer certains discours, certaines prises de position et à mobiliser les habitants du quartier. Donc, je vais passer tout de suite à la partie de Karine qui va nous parler. Pour ce faire, Karine nous présentera d'abord les liens entre les commerçants et le courrier de Limoilou. Vas-y, Karine. Merci, Julien. Donc, le commerce en contexte urbain est un enjeu singulier pour les grands centres, surtout au vu de la densité de la population toujours plus élevée et aussi au rapport différent à la consommation avec la mise en place de production et de consommation, de structures de production et de consommation de masse. Donc, la promotion de cette nouvelle forme de consommation, surtout en contexte de compétition et d'offres de plus en plus grandes, passera notamment par les journaux et à cet effet, pour le cas du courrier de Limoilou, va nous renseigner sur le milieu urbain dans lequel est distribué le courrier de Limoilou. Dans la publication du second numéro du courrier de Limoilou, un certain Georges Maheu, qui est un résident du quartier, constate que la puissance de la presse en ce siècle de progrès s'affiche de plus en plus formidable. Donc, les propriétaires du bimensuel en auront aussi très certainement conscience, surtout en ce qui a trait à la publicité et à l'importance des annonceurs en rapport justement avec le quartier dans lequel est distribué le courrier de Limoilou. La publicité occupe plus de la moitié de l'espace, comme le disait Julien, et par les textes signés par la direction, on comprend sans surprise que la publicité est le moteur principal, le moteur financier principal du courrier. C'est ce qui va amener la direction à faire usage de certaines stratégies afin de rendre profitable l'achat de l'espace publicitaire par les commerçants, stratégies parmi lesquelles on compte la rédaction de ce merveilleux acrostiche pour reprendre le nom du courrier, donc le courrier de Limoilou. Deux éléments rendent l'étude du courrier de Limoilou particulièrement intéressante du point de vue des commerces. D'abord, c'est l'usage de l'identité limouloise par le courrier, qui rentre un peu en compétition quand on y pense avec les paroisses. Donc, l'identité paroissiale va être aussi utilisé dans le courrier, mais c'est principalement Limoilou qui va être utilisé pour véhiculer une identité. Et ensuite, justement, c'est l'implication du courrier dans ce jeu publicitaire, toujours au profit de l'attractivité du quartier. Donc, à partir de 1943, on voit apparaître le slogan « Le succès par l'annonce » en tête du journal. Ce succès est rendu possible par l'implication justement du courrier de Limoilou afin de cadrer l'usage des annonces sous trois grands thèmes, le civisme, la fidélité et le progrès. Et le point commun de ces trois grands thèmes, ce sera bien entendu l'attachement au quartier Limoilou. Donc, à au moins trois reprises sur quelques années, on voit réapparaître le même texte intitulé « L'épicerie du coin » qui est publié en première page. On y vante alors les vertus morales de l'épicier face au trust, c'est-à-dire les grandes enseignes. On peut donc lire, et je cite, « qu'entre l'épicier du coin » et les trusts de l'épicerie, il n'y a pas de comparaison possible. Le trust n'a ni cœur ni âme. Tout ce qui n'est pas pièce et profit ne l'intéresse nullement. » Fin de citation. L'épicier du coin, quant à lui,
c'est avant tout l'épicier de chez nous, un compatriote, un citoyen du quartier et de la paroisse. Le texte précise que l'épicerie du coin est pour les Canadiens français la plus importante de leurs institutions commerciales. Si tous les épiciers du coin sont bons à encourager, le courrier de Limoilou ne manque pas d'exhorter ses lecteurs de mentionner le nom du courrier lorsque les lecteurs se rendront chez les commerçants pour faire leurs achats. Donc, pour l'annonceur, ça permet justement à l'annonceur de participer au financement du courrier de Limoilou et c'est pouvoir partager la gloire de participer au financement de l'organe officiel du quartier, ou du moins le journal, le courrier de Limoilou se désigne lui-même comme étant l'organe officiel du quartier. On indique donc, et je cite, que les annonceurs pourront eux aussi se glorifier d'avoir coopéré au succès de cette publication, car les lecteurs du courrier de Limoilou répondent généreusement aux marchands qui annoncent chez nous en faisant leurs achats chez nos annonceurs, de préférence aux autres. En exhortant le sens civique des Limoulois, on encourage ceux-ci à dépenser leur argent dans le quartier afin d'encourager les commerçants qui y sont installés. On retrouve aussi ce souci d'être fidèle. Je suis au bon endroit. Donc, les publications de la direction viennent alors viser à la fois les commerçants et les acheteurs. D'une part, on spécifie qu'en annonçant dans le courrier, vos concitoyens vous en seront reconnaissants. D'autre part, cette fois en visant les acheteurs, on peut lire que, et je cite, « Chaque citoyen a un devoir à remplir vis-à-vis ses concitoyens, celui de les encourager, de les supporter de quelque manière que ce soit. » Le courrier de Limoilou publie donc régulièrement des textes visant à stimuler l'achat local dans le quartier en misant sur la fidélité que les commerçants et citoyens doivent se vouer mutuellement. Comme l'indiquent de nombreux textes, et là je cite encore une fois, « Le temps est passé de croire qu'à Limoilou on ne peut pas trouver tout ce qu'on veut. » Finalement, le courrier de Limoilou va miser sur le progrès pour promouvoir la vente d'espaces publicitaires et l'achat chez ses annonceurs. Du point de vue des acheteurs, on fait valoir que l'achat local participe au progrès du quartier. C'est-à-dire que, à le rendre plus attrayant en permettant à ceux qui investissent d'engranger des profits qu'on imagine ensuite réinvestis d'une manière ou d'une autre dans la collectivité. On va donc écrire en gros sur la première page du journal « L'argent dépensé dans notre quartier aide au progrès de votre localité ». Du côté des annonceurs, on fait plutôt valoir quelque chose de semblable, soit le fait qu'en annonçant dans le courrier de Limoilou, ces commerçants aident au développement de leur commerce et en même temps qu'au progrès du quartier. La logique qui sous-tend la mise en valeur de l'annonce dans les pages du courrier de Limoilou et l'achat local chez les annonceurs est celle d'une forme d'économie circulaire. Je cite « Faisons tourner notre argent dans le quartier et tout le monde en profitera. Nous profitons de la circonstance pour inviter les marchands à se faire mieux connaître en annonçant dans le meilleur médium de publicité qu'est le courrier de Limoilou. » Le courrier de Limoilou va donc non seulement vendre son espace publicitaire, mais va mettre en place des stratégies pour rendre profitables les annonces des commerçants dits indépendants, et ce, au bénéfice du dynamisme urbain du quartier. Au bout du compte, pour reprendre les mots de la direction du courrier de Limoilou, vous pourrez sans aucun doute compter sur les commerçants du quartier dans l'avenir, car si nous les aidons à augmenter leur chiffre d'affaires, vous pouvez être assuré que le quartier de Limoilou ne restera pas en arrière des autres dans le développement futur. À travers ce sens civique, cette fidélité et ce progrès, on devine les contours d'une identité singulière, où se joue ici le rôle, où Limoilou, le référent Limoilou, va jouer le rôle d'un dénominateur commun dans les stratégies mises en place par le courrier de Limoilou pour rentabiliser l'espace publicitaire qu'il vend et par le fait même valoriser une identité de quartier. Comme le décrit le chroniqueur du courrier sous le pseudonyme de J. Voisclair, qui a tout l'air d'être un membre de la direction du journal, le courrier de Limoilou agit comme un paratonnerre pour notre population. On voit donc comment le courrier de Limoilou cherche à se positionner dans le développement et la modernisation du quartier à travers l'enjeu urbain du réseau des commerçants qui participent à rendre le quartier de Limoilou plus attrayant. Oui, donc l'attrait économique, cependant, ne peut pas à lui seul permettre le dynamisme du quartier. Il va y avoir d'autres enjeux comme la propreté, l'hygiène et le bon ordre. Je vais laisser Julien continuer là-dessus. Oui. Donc, moi, je vais parler de la gestion des déchets. Dans notre période étudiée, nous allons voir que le courrier a tenté d'être une figure mobilisatrice pour les citoyens de Limoilou qui désirent moderniser leur environnement urbain. Pour ce faire, le courrier va relayer les principales demandes urbaines des ligues de citoyens et publie des lettres ouvertes qui dénoncent les lacunes urbaines de Limoilou. Les enjeux urbains sont multiples, comme vous pouvez le voir sur cet exemple de 1953.
Bien que ces enjeux soient généralement communs à toutes les municipalités, ils prennent la forme d'une revendication qu'on peut dire identitaire un peu dans les pages du courrier. Agglomérés ensemble, tous ces enjeux tracent la ligne de l'identité urbaine de Limoilou. Donc là, le temps presse, donc j'ai juste présenté la première qu'on avait faite. Donc, en 1934, le courrier relaie des requêtes de citoyens qui pestent contre la gestion des déchets, la gestion défaillante des déchets, qui demandent un incinérateur au plus vite. Le 1er mars 1935, les représentants municipaux de Limoilou vont rejoindre les citoyens en demandant à la ville que Limoilou, et je cite, ne soit plus le dépotoir de la ville de Québec. La joute verbale était bien en marche. 15 jours plus tard, le courrier donne l'impression que les citoyens sont à l'unisson sur la question après une brillante réunion dans la salle paroissiale. Les discours des échevins et des citoyens sont retranscrits et se résument ainsi. Plus aucun dépotoir sur le territoire de Limoilou. On parle donc de l'injustice que vit Limoilou par rapport à d'autres quartiers de la ville. Le courrier laisse même entendre que l'administration du maire Joseph Ernest Grégoire délaisse le quartier, le rend sale et le rend peu présentable. Les Limoilous pensent être des soins de seconde zone et c'est en soumissant sous cette identité-là, limoulouse, qu'ils demandent à la ville de régler la question des déchets. Et à partir de 1940, les occurrences sur l'incinérateur vont s'étioler et le gouvernement du Québec permet à la ville de construire ce fameux incinérateur qui va être en fonction en 1948. Karim, veux-tu faire la conclusion? Let's go. Élaborer par la paire de questions. Donc, par ce très bref survol du courrier de Limoilou, vous avez vu, il y a beaucoup de choses à dire, il y a de nombreux problèmes qui sont soulevés dans le courrier. Nous avons souhaité montrer comment certains enjeux spécifiquement urbains pouvaient servir de vecteur à une identité de quartier. Dans les pages du courrier de Limoilou, ces enjeux sont traités spécifiquement par rapport au territoire du quartier Limoilou et permettent souvent de mettre à jour une forme d'antagonisme entre les vœux du quartier, par l'entremise de son organe officiel, le courrier de Limoilou, et les décisions du conseil municipal. On y souligne par exemple le fait que ce qui est réinvesti dans le quartier pour créer ou entretenir les infrastructures municipales est nettement moindre que ce que la ville prélève en taxes dans le quartier. C'est ce qui va amener le principal chroniqueur du courrier à proposer l'audacieuse idée de la séparation du quartier de Limoilou en 1953 à l'image d'autres quartiers de la ville de Québec, là, comme le quartier de Sillery qui est à cette époque-là différent, souverain, c'est-à-dire du reste de la ville de Québec, la municipalité de Québec. Nonobstant cette vaine tentative de souveraineté municipale, l'idée est ici qu'à la lumière de l'évolution urbaine de la ville de Québec, dire Limoilou a une signification particulière qui ne réfère à aucune unité administrative officielle, si ce n'est qu'à une ancienne municipalité qui est annexée depuis plus de 30 ans et qui doit faire face à des identités concurrentes. On peut penser aux identités nationales, donc canadiennes, françaises ou canadiennes, aux identités paroissiales qui ont aussi leur publication dans le quartier à travers des bulletins paroissiaux, ou aussi les nouveaux quartiers qui viennent se greffer à Limoilou qui pourraient ne pas se sentir dans l'identité limouloise parce qu'il y a certaines barrières très très concrètes comme par exemple un chemin de fer, une rivière, un pont. Malgré tout, l'identité limouloise semble primer. Limoilou ici n'est pas qu'un référent factuel ou officiel, donc il y a une construction à faire et à entretenir et nous pensons que le courrier de Limoilou y participe activement. Le code du courrier de Limoilou nous montre comment un organe de presse peut nous renseigner sur la vie urbaine et par l'entremise de divers mécanismes qui sont mis en place. Le courrier de Limoilou et son équipe font partie intégrante du développement urbain et de la modernisation de Limoilou en tentant, non de façon totalement désintéressée, de rendre le quartier plus attrayant sur plusieurs aspects. Non seulement la longévité du courrier de Limoilou atteste de l'intérêt des citoyens, mais son empreinte sur la construction d'une identité singulière limouloise est encore bien vivante. Le courrier occupe donc une place singulière puisqu'il est à la fois énonciateur de certains discours, mais aussi premier concerné par ces discours, puisque les bureaux du courrier de Limoilou sont situés au cœur du quartier et ses propriétaires y vivent aussi. Le courrier de Limoilou permet aussi, d'un point de vue plus méthodologique, de souligner l'intérêt des journaux de quartier pour appréhender la vie urbaine de certains milieux, souvent mis de côté au bénéfice de la presse à grand tirage, à cause, par exemple, on peut lancer ça comme hypothèse, mais de leur relatif insuccès ou de leur petit tirage.
Comme le dit J'y vois clair, et je vais terminer là-dessus, dans un texte publié en 1951, le journal de quartier joue un rôle distinct pour un public distinct. Déterminer donc les liens entre le rôle que se donne le journal et le public visé. Ce sera donc un des éléments que Julie et moi souhaitons mieux étudier dans la suite de nos recherches sur le courrier de Limoilou. Et comme nous avons pu le survoler lors de cette présentation, nous pensons que les enjeux urbains sont au cœur de ce rapport différencié par rapport à la presse au grand tirage. Merci beaucoup. Merci pour les gracieuses secondes supplémentaires. Ça fait grand plaisir. Merci pour votre respect du temps. Merci Karim. Merci Julien. Est-ce que vous avez des questions pour... Oui, Harold. Oui, j'en aurais deux. D'abord, merci. C'était vraiment intéressant. Ça me rappelle dans un autre chantier, j'avais travaillé sur les journaux de banlieue et je reconnais quand même un certain nombre de choses au niveau du discours, un peu, mais l'idée du journal de quartier. Et dans le fond, j'avais deux questions. D'une part, est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur qui est derrière, là, qui sont les propriétaires, l'équipe, qu'est-ce qu'on en sait et un peu qui les appuie? Est-ce qu'il y a une sorte de ligue des commerçants locaux ou est-ce que la ligue des citoyens est essentiellement ça? Puis mon autre question, ce serait, est-ce qu'on retrouve dans les pages du journal un discours sur le soleil, sur, dans le fond, comment on se positionne par rapport au journal métropolitain de Québec? Donc, est-ce qu'il y a une sorte de discours par rapport à la concurrence ou pour se différencier au niveau de ce qu'ils font? Bien, un des éléments, on sait que ça appartient à une famille au début, donc c'est un certain... Monsieur Aymon, qui a commencé ce journal, on en sait très peu sur lui, mis à part que c'est un homme d'affaires. Il lance le courrier de Limoilou, mais il semble être assez à l'aise financièrement parce qu'il va commanditer une équipe de baseball qui va porter les couleurs du courrier de Limoilou, le nom du courrier de Limoilou. Il va aussi financer une équipe junior de hockey un peu plus tard. On sait par les comptes rendus des ligues de citoyens qui sont aussi retranscrites. Souvent, les résolutions des ligues de citoyens sont retranscrites dans le courrier de Limoilou. Monsieur Aymon est membre de la Ligue des citoyens de Saint-François d'Assise. Donc, c'est un citoyen très, très mobilisé, un homme d'affaires. D'ailleurs, quand on parle du quartier Limoilou qui songerait à se retirer de la ville, le début du texte, je paraphrase, là, mais évoque le fait que plusieurs hommes d'affaires sont d'avis que Limoilou aurait tout à gagner à se séparer, mais on devine que c'est sans doute lui principalement qui a cette opinion-là, puis peut-être d'autres hommes d'affaires du quartier. Puis oui, il y a une ligue des commerçants à Limoilou, donc il doit fort probablement connaître des gens ou y être membre. Mais malheureusement, en tout cas pour l'instant, on n'a pas trouvé de fonds ou de moyens de se renseigner plus précisément sur cet homme-là et sa famille. Pour l'autre question, Karim me corrigera si tu penses que je me trompe, mais le soleil reste sensiblement absent dans les pages du courrier de Limoilou. On va plus voir l'action catholique. Moi, c'est mon hypothèse qu'il y a plus d'affinité entre les deux qu'avec le soleil, qui serait plus libéral, par exemple. Donc, cette absence-là, c'est peut-être parce qu'ils ne s'aiment pas, peut-être qu'ils ne veulent juste pas en parler, ignorent ou en tout cas. Fait que le courrier de Limoilou reste beaucoup dans sa propre boîte et sort très rarement de ses petites affaires à lui. Donc, il n'explore pas là, qu'est-ce qui se passe à Montcalm, dans Saint-Sauveur, dans les autres quartiers à part Saint-Roch et Limoilou. C'est très rare qu'on va parler de même la guerre mondiale. Ça n'existe pas vraiment dans les pages du courrier Limoilou. Je pense que la seule occurrence qu'on a du soleil, qui, si je me rappelle bien, c'est quelques numéros après justement avoir suggéré de se séparer du reste de la ville de Québec. On va mettre certains extraits, donc la diffusion de cette idée dans les autres des autres organes de presse, puis on va citer le Soleil, on va citer l'Action catholique, d'autres journaux de la région. Je suis très contente d'en apprendre sur les velléités séparatistes de Limoilou. Moi, j'avais envie de vous amener plus au plan de l'organisation générale du journal. Donc, Karim, tu as évoqué une chronique. Qu'est-ce qu'on y trouve dans l'autre 50% qui n'est pas de la publicité? C'est ça. Puis, comment est-ce que ça change aussi peut-être au fil du temps entre les débuts et les années 70? Moi, j'en ai parlé un peu dans l'intro. Il y a beaucoup de textes histoire de Limoilou, mais c'est très ronflant. Là. On part de Jean Cartier, puis on explique qu'est-ce qu'il mangeait le matin. Là. Donc, c'est un peu ça. Après ça, il y a beaucoup de textes là, style médical. Donc, je me rappelle du nom du monsieur qui a une rhumatrie.
Donc, optométriste Dorion, monsieur Dorion. Donc, lui, il fait de la publicité pour son commerce, mais en plus, il y a une page d'information oculaire, donc comment on traite ses yeux. Après ça, il y a beaucoup de textes aussi dits féminins, comme je disais, c'est comme souvent les femmes, Francine, Suzanne, qui sont signées. Puis c'est comment qu'une ménagère doit vivre, doit faire pour élever ses enfants, nanana. Et à chaque fin numéro, il y a aussi des recettes. Donc, qui sont sûrement liées à une publicité d'une épicerie, probablement. Super intéressant, merci. Puis j'avais, c'est ça, dans les publicités, est-ce que, je sais pas, c'est une question comme ça, là, j'avais en tête un article qui est dans la longue série de Brooker Tucker sur les modernistes magazine, là. Puis dans un article, il y a quelqu'un qui s'intéresse à la publicité, puis comment d'un journal à l'autre, une même compagnie adapte la publicité au lectorat. Fait que je me disais, est-ce que, mettons, un même commerçant qui publie dans le Courrier Limoilou adapte sa publicité au Courrier Limoilou comparé à, par exemple, au Soleil, ou est-ce que comme ils s'échangent un même commerçant pourrait comme adapter, je sais pas si ce serait une piste. C'est une piste qu'on a honnêtement pas encore explorée, mais généralement il y a peu de mise en scène publicitaire dans les publicités. On va s'en tenir à dire le nom du commerce, l'adresse, les objets de sa travail. Il n'y a pas de travail de présentation, de mise en scène dans les publicités, en tout cas. Jusque là. Notre dépouillement, on en est présentement au début des années 50. Okay. Donc, il nous en reste un peu encore. Il nous reste un peu de travail à faire de ce côté-là. Ça va peut-être venir justement avec le temps. Mm-hmm. Donc, il y a peu de mise en scène. Puis aussi, ce qui va limiter, disons, le fait que certaines publicités peuvent se retrouver dans un autre organe de presse, puis ensuite dans Limoilou, c'est que on a comme hypothèse, puis je pense que c'est confirmé de manière indirecte, là, mais le propriétaire n'accepte pas des publicités de commerce qui ne sont pas localisées à Limoilou. Okay. Donc là, déjà là, ça limite. Puis là, après ça, il y a tout un jeu, justement, dans les textes que la direction publie pour valoriser l'annonce pour les gens qui ont un commerce dans Limoilou, dans le quartier de Limoilou, parce que ben, le Courrier de Limoilou est distribué dans le quartier, donc c'est les premiers intéressés qui vont avoir la publicité. Puis les gens de l'extérieur peuvent être intéressés par les commerces de Limoilou puis se rendre dans le quartier. C'est ça. Puis là, c'est là que tout l'aspect, justement, que Julien évoquait d'insalubrité mais d'attractivité du quartier devient très, très important. Oui, je comprends. Ben oui. Question, Guillaume? Harold, peut-être si tu veux lui passer le... De journaux de banlieue, là, ça, je trouve ça vraiment intéressant comme phénomène. On a un phénomène peut-être typiquement nord-américain. Mais ce que je voulais signaler, c'est au-delà du cas de Limoilou, c'est à quel point le journal, historiquement, a été un outil de constitution des communautés. Puis c'est vraiment spatial, d'enracinement de nouvelles communautés, puis de construction des identités. Donc là, on a le cas de Limoilou, mais ce matin, brièvement, je parlais de cette presse franco-américaine de l'immigration. Une forme de nouvel enracinement générait automatiquement un nouveau journal qui permettait de faire communauté, construire une histoire locale, valoriser les commerces, la culture locale. Puis là, c'est ça, là, j'ai entendu parler de journaux de banlieue sur lequel tu sembles avoir travaillé. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose de vraiment intéressant, un phénomène que personnellement je ne connais absolument pas, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on a des éléments d'ensemble sur ces phénomènes de presse neuve qui accompagnent les quartiers neufs? Ça semble être fouillé par la recherche. Alors je me tourne vers vous tous là, si vous avez des éléments d'infos sur un portrait un peu plus large du phénomène. Ouais. Ben, rapidement, oui, il y a des éléments qui font écho à ce que vous dites. Je prends par exemple. À l'époque, la date de déménagement, c'était le 1er mai. Puis dans le numéro de mai du Courrier de Limoilou, il y a toujours un petit texte de bienvenue aux nouveaux citoyens et de présentation du Courrier de Limoilou. Donc, on invite les gens à lire le Courrier de Limoilou en se présentant comme l'organe officiel du quartier. Donc, il y a une conscience de ces gens qui arrivent dans le quartier et qui doivent être intégrés d'une manière ou d'une autre. Puis je pense aussi moi, qu'il y avait quelque chose à voir avec les ligues de citoyens qui nous semblent un peu les ancêtres des conseils de quartier aujourd'hui. Et là, on se demandait si à la Ville de Québec, il y a des archives de ça, si on peut retracer quelque chose là-dedans, parce que c'est vraiment le cœur, on dirait, le cœur de la guerre, là, de l'identité de Limoilou.
si je peux dire juste deux mots là-dessus rapidement, je pense que ce qui m'a surpris, c'est que moi, je les ai rencontrés, ces legs-là, mais dans des banlieues plutôt élitaires, bourgeoises, cossues, donc de les voir dans un quartier visiblement plus populaire, c'est intéressant, parce que dans les banlieues que je pensais, à Westmount, à la sienne, évidemment, et c'est vraiment une manière de protéger, en quelque sorte, le prestige de la communauté, alors qu'ici, clairement, le rôle est un peu différent, mais il y a une histoire à faire de ces legs citoyennes locales et de voir dans quelle mesure elles sont vraiment représentatives, là, ou des chambres de commerce déguisées, parfois. Voulez-vous dire quelques mots là-dessus? Non? Bon, on va peut-être passer au café. Je vous invite à... Merci à Caroline, Henri, Karim et Julien pour vos interventions. Donc, je vous invite... Merci à vous quatre. Je vous invite à aller vous sustenter à la table, chercher d'autres cafés pour la dernière séance de l'après-midi qui va commencer dans 15 à 20 minutes. Donc, on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel, est-ce que ton PowerPoint a été envoyé? Oui, je vais le transférer. Jusqu'en 75. Ah oui? Parce que c'est le fils qui reprend le journal. Donc, attention. C'est beau, je l'avais imprimé déjà. Ah, ok. Bon. C'est juste Mélodie puis. Comment? T'as pas trop chaud? Non, ça va. Mais c'est gros spot.